Bien, je m'appelle Sawadogo Issaka. J'arrive du Burkina Faso pour co-présider Dakar Série, deuxième édition Dakar Série 2024. Dakar Série, pour moi, de revenir ici à Dakar, je suis revenu chez moi. Moi, je suis un enfant de Dakar qui a été lancé comme ça en Afrique pour aller planter des graines, pour aller travailler. Et à chaque fois que je reviens à Dakar, j'ai l'impression de revenir à la maison et de retrouver mes frères et sœurs. Et je suis tellement content, vous ne pouvez pas imaginer. Et encore, cette fois-ci, c'est encore de revenir dans la bénédiction de Dieu, parce que quand nous avons fait la première édition, on avait, tu vois, les boules jusque-là. On se disait, est-ce que ça va réussir? Mais avec la foi, on s'est lancé. Et Dakar nous a accueillis. La population de Dakar, les artistes de Dakar, nos frères et sœurs, ils étaient prêts, préparés. Et parce que tout le monde ensemble, on avait le même langage, on avait la même force de faire quelque chose propre à l'Afrique, géré par les Africains, et aussi pour dessiner la vision africaine. Et ça ne nous a pas menti, ça ne nous a pas trahi. Voilà, aujourd'hui, on est encore là pour une deuxième édition. Et je pense que c'est parti là. C'est parti pour plus de deux éditions. C'est parti pour encore, et j'interpelle toute la jeunesse africaine à adhérer à ce festival panafricain. Nous avons le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou qui a 50 années d'existence. C'est un demi-siècle d'existence. Nous voulons que quand le FESPACO va fêter ses 100 années d'existence, Dakar Série fera ses 50 années d'existence. C'est génial, parce que déjà la première édition, j'avais trouvé ça formidable, parce que c'est la première fois. Pour la première fois, il y avait un festival uniquement centré sur les séries. Et là, quand je vois tout le monde, c'est que le succès, ça a parlé. Je suis super contente d'être de retour à Dakar Série, vraiment. Alors déjà, je trouve qu'il y a, toutes les personnes de la profession sont là. Donc j'ai cru entendre qu'il y avait 600 personnes qui étaient là par rapport à l'année dernière, c'est super. J'aime beaucoup tous les panels, les tables rondes, les sujets qui sont abordés. J'ai trouvé très intéressant qu'on puisse voir des séries des Antilles. Ça, c'est vraiment différent par rapport à avant. Et qu'il y a un pont entre les anglophones et les francophones. Ça, c'est super. L'esprit de Dakar Série, c'est la convivialité, c'est la simplicité, c'est l'excellence, l'efficacité. Voilà. Je suis actrice sénégalaise et coprésidente du festival Dakar Série, saison 2. Issaka Sawadogo, l'acteur burkinabé, est président. Donc, je dis, ce festival donne une opportunité aux jeunes réalisateurs, producteurs et techniciens qui sont là au pays, parce que ça regroupe beaucoup, beaucoup de nationalités. Les jeunes auront l'occasion de venir pitcher leurs projets et avoir l'occasion aussi de croiser des distributeurs, des producteurs, parce que qui dit série, on dit toujours qu'on a besoin d'un producteur parce qu'on a toujours des problèmes de fonds. C'est bien qu'on a les fonds du FOPICA, mais on en a vraiment besoin d'autres fonds aussi. Et je dis aussi que comme cette année, comme l'édition passée, il y aura Netflix qui sont là, Netflix, TV5, Canal, et c'est les boss qui viennent, Al Jazeera, plus les chaînes qui sont là. On aura vraiment l'occasion vraiment de partager. Et puis avec les anglophones qui sont venus en force cette année, parce cette année, il y a beaucoup de Sud-Africains, des Nigériens et des Ghanéens qui sont là aussi. Eux, ils vont montrer leur modèle. Parce que le modèle anglophone, ce n'est pas la même chose que le modèle francophone. Donc, il y aura cet échange et il y aura beaucoup de tables rondes. Demain, par exemple, on aura Sodav qui est là. On va parler sur les droits d'auteur, pour les contrats, les droits voisins. Et puis, on va voir par rapport aux autres pays leur modèle et le modèle sénégalais. Après ça, il y aura des tables rondes avec les femmes, sur les leaderships féminins, la place de la femme dans l'audiovisuel. Voilà, la place de la femme africaine dans l'audiovisuel. Il y aura aussi des ateliers d'actorat. Ce matin, Issaka a animé avec Iman un atelier d'actorat, casting et tout ça. Et ça va continuer comme ça. Il y aura les techniciens qui vont faire leur part aussi. Il y a l'équipe d'Atax avec Ahmad, le président, qui sera là aussi pour faire un atelier et de chef-op et tout ça. Voilà.